Je visais tout le temps les vendeurs avec ma tante célibataire. Elle est vraiment bonne pour reconnaître l'odeur du fût sperme camouflé par le Febreze. Elle a le flair. Elle est bonne. Ouais, non, non, il y a des chiens pour la drogue. Moi, j'ai une tante pour le jizz. Ma famille, elle a essayé de m'aider dans mon déménagement. Puis, je les ai perdus dans les sites de vente. Kijiji, Marketplace, ma mère, okay, tellement bien intentionnée, ma mère. Le mandat, c'était une table de cuisine. Ma mère, elle a trouvé un kit de papeterie. Elle s'est mise à faire du scrapbooking, tu sais, l'affaire qui passionne ceux qui n'ont pas de passion. Mon père, lui, s'est mis à faire des annonces, mais juste pour jaser. Fait que les acheteurs, ils se pointent chez mon père, sont comme, il n'y a pas d'étagère, finalement. Mon père est comme, non, mais j'ai fait une salade de macaroni, puis j'ai sorti Cranium. Mon grand frère, lui, il s'est trouvé un vieux cooler avec des vieilles coulisses de sang d'orignal. Puis j'étais comme, je sais pas si c'est un deal, ça. Parce que tu vois le même stock sur le bord de la rue, puis t'es comme, ah, est-ce que le monde ramasse pas leur vidange, hein? Mais tu mets ça en ligne, puis je suis comme, how much for that? Il a fallu que je me pogne un sofa. Je sais pas si vous êtes familier avec les sofas sur les sites de vente, mais c'est le festival du sofa à l'année longue. Il y en a en hostie. Du sofa. Savez-vous qu'à chaque fois qu'il y a un enfant qui meurt, 10 sofas sont ajoutés sur Kijiji? Il y en a de toutes les sortes, des sofas. Il y a le sofa plastifié, hein, pour le garder beau. L'affaire, c'est que tu peux pas garder beau quelque chose de déjà laid. Moi, j'ai beau mettre 250$ de revitalisant dans mes cheveux, ça aura toujours l'air d'une botte de foin. Okay? Non, pour vrai, des fois, je me fais une toque, j'ai des échardes. Fait que... Non, c'est tough. Même ça fait 25 ans que je me déguise en épouvantail à Halloween, j'ai juste besoin de me rentrer un bâton dans le cul. Faut faire attention sur les sites de vente avec les sofas. Moi, je prends plus de chance. Pour vrai, je visite tout le temps les vendeurs avec ma tante célibataire. Elle est vraiment bonne pour reconnaître l'odeur du fût sperme camouflé par le Febreze. Elle a le flair. Elle est bonne. Ouais, non, non, il y a des chiens pour la drogue. Moi, j'ai une tante pour le jizz. Ouais. C'est tough de visiter les vendeurs, mais c'est tough d'être un bon vendeur. Moi, des fois, j'ai des échanges avec les vendeurs, puis je suis comme, c'est subtil, là, mais dans la conversation, pourquoi j'ai l'impression que tu tuerais ma famille, tu pèterais mes deux jambes, puis tu chierais dans ma brassée de blanc? Je sais pas, j'ai comme ça, c'est un feeling de même. Je sais pas si vous êtes familier avec Craigslist. Craigslist, pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est un site de vente, là, mais c'est dégueulasse. C'est répugnant. C'est comme pas fini. Comme site, ça a l'air d'un projet de cégep pas fini, fait par le gars qui a pas fini son cégep. C'est dégueulasse. L'affaire, c'est que moi, j'y faisais confiance parce que c'est en anglais. Je suis comme, ah, Craigslist. Tu sais, moi, j'imaginais Craig dans un sûrement dans, je sais pas, un fauteuil de velours, genre en train de, je sais pas, boire du cognac. Il est comme, il parle à sa femme, je sais pas, une femme sûrement avec un grand buste. Puis il est comme, you know what, Cheryl? I'm gonna do my own list. It's gonna be thrilling. It's gonna be great. I mean, people will just, you know, do their list. Right? Puis là, Cheryl, elle va être comme, wow, Craig, that's amazing. Wow, Craig, wow, the world should be thanking you for giving us le 8e merveille du monde. You could sell everything from a rusty razor to a almost untouched, in excellent condition, and brand new woman. Oui! Craigslist, le seul site où tu peux acheter le sofa et la fille qui vient avec! C'est dégueulasse! Il y a énormément de prostitution sur Craigslist. Ils veulent aucune info, ils veulent juste savoir si tu es allergique au latex. C'est juste ça qu'ils veulent savoir. À la fin, c'est que moi, j'y faisais confiance parce que c'était en anglais. J'étais comme, alright, Craigslist. Yes, Craigslist. Tu mets ça en français, la liste à Régent. Ça sonne ni comme un site de vente, ni comme une liste d'épicerie. OK? Même que si c'est écrit Clémentine, c'est pas celle dans l'allée des fruits et légumes. C'est celle qui habite en bas de la rue, je crois, Régent. OK? Ah non, c'est rough. J'ai essayé de vendre un toaster. Oh la gang, j'ai essayé de vendre un toaster. J'étais pas capable de mettre une photo. J'étais sur mon sel. J'ai essayé de mettre une photo. Ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai juste dit, genre, faites-moi une offre, pensant que j'avais été capable de mettre la photo. J'ai reçu 40 photos de pénis. J'ai reçu plus de DM sur Kijiji que sur Tinder.
Rendu là, le site pourrait s'appeler trouvemon.qjj. Merci de m'avoir fait commentaire. Ha ha ha, loft.